Bonsoir. Donc, il est déplacé parce que nous connaissons l'information a évolué rapidement suite à déclaration et position du sénateur Joseph Lambert. J'ai sur l'avenir avec moi le président de la Chambre des députés, Gary Baudot, qui voulait faire une déclaration solennelle aujourd'hui à ce coup de mandat sénateur. Président Baudot, bonsoir. Bonsoir, GPBC, n'a pas salué tout auditeur auditrice Scoop FM, n'a pas salué Val, Marco, n'a pas salué Campagne, le plateau central, et n'a pas salué sénateur Joseph Lambert, qui s'est ami Gary. Allô? Oui, oui. Oui, président. Oui, oui, voilà. On passe très bien, on va continuer. Alors, dis-nous, député Baudot. Et bon. Qui est-ce qui font ou faire après ça et qu'on t'a aimé parler avec le sénateur Lambert? Bon, depuis 24 heures, m'a suivi sur les réseaux sociaux, m'a suivi sur Scoop FM, sur Gazette Info, sur Gino 7, sur tous les médias, sur les réseaux sociaux, à médias traditionnels. Yo, côté Joe Lambert, Zamine fait le passé dans l'opposition officiellement. Et on connaît Joe Lambert pour qu'on parle avec lui. Joe Lambert s'est allié sur Gary Baudot. Si Joe parle dans l'opposition, on connaît M'Pap parle dans l'opposition. On connaît M'Pap dans l'opposition rapidement si Joe parle dans l'opposition. Mais pour l'instant, nous sommes là. C'est ça que fait, nous dit Joe, campé là. Ma convoque en réunion avec Joseph Lambert, Jovenel Moïse, Michel Martelly, pour nous chita, pour nous jouer un accord ou désaccord nous. Parce que je dis à conseiller de grosses priorités et Jovenel Moïse, président de la République de son État, je ne pas que le président a un point pour lever le défi ça pour contre. Donc il y a des dialogues qui pour faire que ce soit le fameux dialogue économique que je demande. Parce que je ne pas les bras sur la table pour ces Joe Lambert ma pour ces des politiciens ma c'est OPL ma etc. Il faut que ceux qui ont les avoirs, ceux qui sont dans le commerce, qui sont également concernés par la vie socio-économique du pays, qui est sous table à tout, en attendant que dans les gros dialogues politiques, ça, Mandé Joe Lambert campé en attendant, parce que Joe connaît le pas pour contre le grand pile allié, si Joe a dans l'opposition, donc Gary Baudot avec 60 de députés pour rentrer dans l'opposition. Laisse ça, je vais te la voir gâter, mais en attendant nous arriver là, nous demandons que bon rencontre qui fait au plus vite et en tant que ça, pour nous jouer un accord ou des accords. Et je demande à Joe Lambert, quand il est là. C'est le sénateur Lambert. Il répond sur le bail. Vous connaissez, nous avons affaire avec à la fois vos amis. C'est Gary, mais en même temps, tout, on préside en chambre. Donc, on aime son monde qui est très institutionnaliste et nous respecter à la fois la personnalité yo, par rapport à l'union, gradio, mais qualité. Quelle que soit la réponse que ma baille là, mon pape choisit pour me faire aller sur la radio. M'a parlé avec Gary Baudot. Le président Gary Baudot, ouais, bah là, elles sont. Ouais. On dit Gary Baudot parce que son ami. On a parlé avec le président Gary Baudot en privé. Et très certainement, la population a connu qui échange que nous fait. Un fait est certain, mon opposition au président Jovenel Moïse est une opposition éclairée. Une opposition constructive et je dirais même positive. Président Baudot, et par rapport à ce diable et Nathan Lamberdi, nous avons une conversation et après l'émission avec. Définitivement, je vais rencontrer à Joe parce que Joe connaît, il y a le président de la Chambre des députés qui est lui-même qui est au-dessus des clivages politico-idéologiques. Et il y a le député de Delma qui a des ramifications un peu partout à travers le pays et qui a des alliés sûrs au niveau de la Chambre des députés et au Sénat.
Donc, dans ce sens-là, je l'ai bien connu, moi-même avec elle, il sait tout l'amour que je lui porte. Et je dis, ah, si je fais dans nos batailles, son bataille pour le pays. Donc, c'est la porte à mon cardio. Donc, la plus difficile pour Joe nos batailles pour un gars qui est de loin. C'est ça que fait, on va dire que, gagner en situation, et mon cardio, que moi-même, moi, je dis tout. Par rapport à la position m'occuper, Joe Lambert, son est qui sent-il blessé, qui sent-il meurtri, cependant, et conseiller de parole, Joe Abdi, c'est des bagages qui ont rapport à la gestion républicaine qui est important pour le pays, mais en attendant Joe Al plus loin, dans l'opposition qu'elle fait déclarer, m'a donné un compte avec la totalité de sa demande, et ensemble, pour nous jouer un accord sous des accords, nous, parce que je disais, le problème PIA, c'est rentrer l'école, le problème PIA, c'est gouvernement, le problème PIA, c'est gaz là. Il n'y a pas qu'à continuer à subventionner le peuple qu'on est plus devant qu'à démarrer. Donc, ensemble de gros défis pour poser, et je disais, pendant ma parole, et l'année dernière, chambre députée, président de la commission finance, chambre députée, président de la commission finance, Sénat, c'est avec le président de la République, là, avec les deux présidents du Parlement, à savoir Joe Lambert, Gary Godot, pour noter le 14e mois. Année ça, c'est tellement difficile, presque pas, nous ne pouvons même pas parler de 14e mois. Donc, il y a des défis vraiment énormes qui pouvaient lever. Donc, on parle que la personnalité de Gary Godot ou de Joe Lambert ou de Jovenel Moïse, pour nous penser que c'est des problèmes internes, des problèmes personnels, ou bien c'est que nous avons fait. Donc, nous sommes bataille pour le pouvoir, pour le positionnement. Je suis déjà sénateur 6 ans. Je dis avant de parler là, député d'Elma jusqu'à janvier. Peut-être que c'est pas président chambre député à qui il est, parce qu'il me déclare plus réserve comme président de la chambre. Mais je dis à, il est important de garder pour que nous chita. Parce que Joe Lambert a des remarques pertinentes, judicieuses pour le pays. Mais moi-même, quand ça s'agit d'être dans l'opposition, lors de l'opposition, je dis, ou dit ma bataille sous l'idée, demain, je l'avais sur Joe Lambert pour moi, si d'être dans l'opposition, manifestation toute la journée, ou bien, et je dis, ou alors tellement, manifestation, plateau central, manifestation, cité soleil, nous parlons de ça. Je dis à André Jolande rentrer dans l'opposition définitive, et qu'il a toujours pu distancier par rapport au pouvoir, mais même tout le monde connaît son équilibre devant ce moment. Mais quand même, je dis à d'appeler que nous jouons à cause ou désaccord pour le pays. Et c'est la raison pour laquelle. Et j'invite Joe Lambert à ce dialogue solennel, ce dialogue important pour le pays. Merci beaucoup, président Gary Godot, pour cette conférence. Pour que j'en tape sur lui, c'était réaction du président Jean Bassan, enfin surtout député de Delma Gary Godot. Mais bon, c'est notre bonne réaction par rapport avec. Déclaration ou bien invitation que député Gary Godot fait pour que nous chita parler avant que vous passiez définitivement dans l'opposition. Bon, je suis déjà dans l'opposition. Parce que je n'aurais pas dû franchir le cap de mettre des différentes déclarations. Et mais un président ou bien un ami de la femme de Gary Godot. Et pour qui j'ai beaucoup d'estime aussi d'admiration et avec bien sûr ses défauts et ses qualités. Il n'y a pas de défauts, il n'y a pas de qualités. Si publiquement dirigé là dans la radio et pour une telle remarque, moi je vais répondre très certainement à Gary Godot, mon ami, à l'affirmative, et seulement moi-même et Gary Godot. Okay. Moi-même et Gary Godot. Okay. Donc, de toute manière, je pense que dans la déclaration de député Gary Godot, qui va être le monde capable de capter, c'est que lui-même en tant que député d'Elma et avec des alliés sur une soixantaine de députés, donc comme bons amis, et qu'on est que l'absurde dans la politique longtemps, donc quelle possibilité, genre ou même là en opposition, pour jouer dans Gary Godot avec une soixantaine de députés, tout dans l'opposition de la vision où. Nous pas arriver, je ne raccorde sous des accords. Des anciens sénateurs, là, qui font déclaration, sénateur Edouzeni, qui ouais président Jovenel Moïse comme un fou tout,
l'Afghano manger, vous comprenez donc finalement, quoi, comment vous prenez déclaration ça? Bon, c'est analyse parler de situation et de personnage là. Moi-même, me dit, c'est un monsieur méfiant et méfiant avec lui-même. Okay. Et m'a parlé de président Jovenel. Il est trop méfiant. En politique, le niveau de méfiance, eh bien, il doit limiter. Il va devoir aller dans les limites. Mm. Mais il faut qu'on dise ça qui est plus important ou bien plus fondamental. Ce n'est pas une question de premier ministre non, ou pas, et, etc. Mm. Ça qui est fondamental dans tout ça, c'est comment pour arriver sous le monde frontier. D'accord, dire comme ça, qui est capable de conduire un gouvernement de transition, qui est capable de mener tout le monde, ou bien la majorité du monde qui est en opposition sous table dialogue là. Pour moi, m'assurer, Joseph Lambert t'a privé quand même parler avec Jean-Bertrand Aristide, le président Jean-Bertrand Aristide, et il t'a pas accueilli. Il t'a accueilli. Et certainement, moi-même tout, certainement, il t'a bien content accueilli, et il t'a même bon conseil, et il t'a même bonne orientation. Alors, ce n'est pas au monde que je parle. Et tant qu'on n'importe l'autre monde, non. Okay. Mais cependant, je connais aussi le personnage. Donc, le personnage-là, lorsque on pose le problème pays, tout le monde qui est concerné par le problème pays, avant d'entrer dans le pays, scoop, avant d'entrer dans le pays. Et c'est ça que fait moi dire que je ne veux dire, moi-même personnellement, on n'a pas servi pour permettre que vous mettez, nous arriver quand même à formule ça pour Chita parler à fête. Ou bien pour que des blousailles à fête tout. Parce que c'est une ou l'autre. Ou bien Chita parler à fête, nous jouons nos bagailles. Mm-hmm. Ou bien on des blousailles à fête. Et bien ça, c'est imprévisible. Okay. Et au niveau comme ça, moi-même, m'a dit, on a aidé pour faire. Mais cependant, je ne suis pas acteur principal encore. Parce que je ne suis pas capable, moi-même, je ne veux dire, premier ministre. Parce que tant passé. Il passait, je ne suis pas capable lui-même encore. Elle dit que. Mais ça fait qu'on a libre tout pour dire son pensée qu'on est là. Oui, mais nous avons l'aider, comprenez bien. Mais tant passé. Le fait que tant passé sous vous. Mm-hmm. Parce que, il y a une question de qui période, qui époque, qui gens. Bon, période de la pensée, époque de la pensée, qu'on y a là, l'impossible pour moi. Faut que c'est un autre profil que je cherche. Et faut que je arrive quand même ce profil, ça, je ne dis pas comme premier ministre, comme whatever qui ça. Mais il faut que je un groupe, ou bien un monde, ou bien un secteur qui a essayé, comme des cas, de joindre les deux bouts, pour permettre que les deux extrêmes capables de rapprocher et arriver vers accord là. Notamment, excusez-moi, il y a une personnalité politique avisée qui souhaite informer là que. Étant donné qu'il a suivi le débat avec attention, et vous parlez de chance qui minime pour le nouveau gouvernement passé, mais gagner environ 5 à 6 ministres qui ont un problème au niveau du nouveau gouvernement, ça, et donc tu as gagné possibilité pour un replâtrage avant même que déclaration énoncée politique générale. En fait, est-ce que vous pensez que replâtrage ça par rapport avec quelques ministres qui ont pu remplacer? Donc, qui a un problème, soit au niveau constitution, mais qui a un problème moral, tout. Est-ce que vous pensez que ça capote une nouveauté avec le nouveau gouvernement et fait que il passe plus facile? Bon, moi, je dis, je ne dis pas que chance gouvernement minimum. Seulement, comme je dis moi-même, je dis que je ne vais pas voter pour ce gouvernement, question de principe. Et question d'éthique aussi. Je ne peux pas. Et les chances de ce gouvernement, eh bien, ils résidaient dans mes équipes gouvernementales. Et avec équipe, bien sûr, qui a assisté. Un fait est certain, c'est que j'avais promis à ce Premier ministre de ne pas faire campagne contre lui. Et comme de fait, je ne peux pas faire campagne contre lui. Alors, les chances pour le passé, c'est les mêmes qui pour créer chance pour le être passé. Mais au Sénat de la République, lorsqu'on va dire ceux qui votent pour, il n'y a pas besoin de même en l'air. Ceux qui votent contre, il n'y a pas besoin de même en l'air. Il n'y a pas fait abstention. Il n'y a pas la politique. Depuis ou à gauche, ou bien ou à droite,
Eh bien, Mabdou, en toute sincérité, on a perdu le pôle Nord. Okay. Et où à matin, dans l'interview avec Valérie Numa, est-ce qu'on sentit une question que Valérie Numa fait, moi, tant que nous-mêmes, nous sommes abordés là avec moi, ou même tout à l'heure, et puis qui, je ne me mettais mon petit soulier. Question de génocide à deux. Ah oui? On va la question que tu veux gêner. Et on me dit, c'est ma transparence dans le niveau politique qui m'aide. Ou qui questionne? Question Michel Martelly. Ou Martin, il fait me parler plus pour ton clarification. Cela veut dire que l'on parle de Michel Martelly, mais tu es presque encore considéré tête, même pendant le sénateur de la République, comme encore le défenseur de Michel Martelly, le conseiller de Michel Martelly. Et je dois continuer à assurer sa défense. C'est loyauté qui vient. C'est ma loyauté. Mais sénateur, vraiment, mon dernière question. Oui, question. Et sénateur, où sont les un peu de monde, même absurde. Mais un peu de amis proches ou pour, on parle avec eux, on parle. Niveau de sécurité, et nous sommes l'équipe de directeur. Nous avons une situation dans le pays qui est très difficile, mais vraiment très 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 difficile. Avec tout problème que nous n'avons pas besoin d'énumérer là-haut, surtout dans le pays où l'économie va marcher chômage à accélérer, vous comprenez ça veut dire. Pouvoir d'achat mouillot avec dévaluation de la goutte, ça veut dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc de toute manière, ou même nous dit là, on peut disposer pour mettre tout. Ou est comment qu'on sorti de crise honorable. Président, en fonction de l'analyse li avec l'équipe, il choisit un nouveau PM. Il choisit un nouveau PM. C'est cavalier. Est-ce que, sénateur Lambert, est-ce que, selon vous-même, sénateur Lambert, qui est très direct, très franc, est-ce que vous pensez nouveau PM ça avec toute équipe gouvernement qui permet que nous venons sortir de crise généralisée qui nous est là dans le pays. Bon, est-ce qu'on est risque et à coupe de diminution problème rien dans le parlement. Il faut quoi chercher pour résoudre le problème dans le parlement d'abord. Parce que l'organe, par exemple, un premier ministre qui va devant le parlement. Et que l'arrivée devant le Parlement, ou pas de chose, même pour faire séance. Non. Est-ce que vous m'avez dit? Déjà, nous c'était bizarre. Son premier problème, lorsque Kounia là, ou t'as fait séance, non, et puis votre travail fait, et puis notre problème encore suivi. On nous considère que Kounia là, votre arrivée faite, avec situation qui, avec la façon, par exemple, l'inélégance du président, dans le choix, qui ont déjà désappointé toute cette sénateur qui était accompagné de nous tous. Et puis, Kounia là, parce que son giflé, parce que lui-même, il était opiné du corps sénatorial. Pour le groupe qui était avec moi. Vous allez pour le premier sénateur qui pétait plomb. Jusqu'à ce que je me dis, monsieur, mon cher, vous pétez plomb trop vite, etc. Monsieur Digando, comme ça passe, monsieur sénateur, t'as dicté mon comportement. Mon personnalité propre, moi. Vous connaissez moi en pile, j'ai pile estime pour vous, m'apprécie en pile, même des personnalités propres. Et pas ou même directement qui concerne non dans cette passé là. Parce que son message, vous pouvez être seulement envoyé par le président du groupe là, et puis vous dire ça sur le groupe là, ou bien vous voyez un message par une de nous et puis nous te partager. Le président t'a pris un appel. Monsieur le président, dit, monsieur, nous, attention, on va choisir le premier ministre, mais il va là, mais après, on va parler demain. Aussi simple que ça. C'est simple, c'est ça, nous ne pas comprendre. Non? Et puis, Kounia, là, qui s'agit, c'est que le premier monde qui pète, pour vous voyez qui est-ce? C'est le député d'Emip, le député Frosnet, de Mouche. Moi, c'est le député pour vous. Allez, je ne veux dire. Personne connaissant le député, le sénateur, connaissant le sénateur, n'a pas besoin, même faire commenter sur la radio, à vous, tant qu'on est qui va voter, non? Heureusement, il y a un pilote sénateur qui n'a pas de position publique. Heureusement. Cela signifie que, sans babaye pour, eh bien, que le Premier ministre travaille.
Je suis comme Décadio, nous sommes nègres de bonne loi, de bon commerce. C'est politique, mon frère. Et j'aime mon pays. Et j'adore Jacques Mel, le Sud-Est. C'est ça, mais. Moi, mes pays, et m'adorer le Sud-Est. Mm-hmm. Il dit que, je ne veux dire, quelle que soit la situation, depuis que je vais dans le Sud-Est, mettre demain, on n'est pas qui galerie. Dans n'importe quelle section communale, on n'a pas senti mon danger. Je dis à moi dans Port-au-Prince, je vais croiser 20 000 personnes dans la journée, je vais croiser. Alors que dans le sud-est, on a quand même chaque 3 personnes, je vais croiser les gens qui vont l'habiter. C'est une réalité. Et par conséquent, le pays n'a pas qu'à mourir. Il faut qu'on ait effort qu'il fait. Mais cependant, la maladresse des uns et des autres, parce que je ne parle pas trop de président Jovenel, la maladresse, qui fait que je vais enfoncer le net, pour me balancer longtemps au moins pour lui ressaisir, et puis pour lui réorienter vers le pôle Nord. Mais avec, bien sûr, un Joseph Lambert, qui devient, à partir du jour, un opposant, mais dans une logique constructive, positive et éclairée.